Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bomba TV depuis Bomba de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler vite écouter juge Jean-William Morin qui a demandé autorité pour prendre disposition pour empêcher maladie à gaé ici en Haïti. Et nous parler vite suivre un extrait tout dans déclaration président République là, Jovenel Moïse pendant le tap adressé nation. Mais avant nous faire ça, équipe Bomba TV nous voulons remercier tout le monde qui toujours branché Bomba TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Ou toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bomba de Police, équipe Bomba TV, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec Bomba TV et puis ouvrir chaîne notification. Hein? Ça permet de faire partie équipe notification Bomba TV. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous dérouler avec information. Yo. En nous, juge Jean-William Morin, qui est président Anama, mande autorité pour prendre toute disposition nécessaire dans le tribunal. Yo. Pour empêcher maladie à gaé ici en Haïti. Et nous voulons faire connaître tout, président République la Jovenel Moïse présente mesi gouvernement apprend pour accompagner population dans période maladie ça ici en Haïti. Ces informations ça nous pote pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. C'est la première association de magistrats qui t'a fait une note sortie depuis plus d'un mois. Lorsque nous avons appris qu'en République dominicaine, nous avons gagné deux cas de coronavirus que nous avons découvert, nous avons demandé aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour être capable de permettre tout au moins de ne pas quitter le virus là et les gens des frontières ou de n'atteindre le monde en Haïti. Mais comme c'est une pandémie qui est un petit peu partout dans le monde, et qu'en pile pays touché, donc nous autres aussi en Haïti nous sommes touchés. Et ce que nous avions dit dans notre note, la note de l'ANAMA, nous avons souhaité, premièrement, une rotation qui est faite au niveau du tribunal. Deuxièmement, nous avons souhaité que le ministère de la Justice t'a instruit ensemble de sécurité bâtiment pour que vous même un contrôle de monde qui a rentré et a sorti parce que tribunal, c'est un lieu qui attire le monde. Gagner les justiciables qui ont venu, gagner les étudiants qui ont venu suivre et les audiences, gagner même des badauds, des curieux comme ça qui ont venu. Donc, imaginons, lorsqu'on est dans le tribunal là, on va frapper à monde et distance sociale que l'on a déjà, et 1,50 m, il n'est pas vraiment respecté. En outre, les salles et de, disons, les bureaux des juges d'instruction, c'est de espace tout exigu et moins de 3 mètres carrés. Lorsque bien la donnée, le juge d'instruction, l'avocat ou bien de l'inculpé, le greffier et des fois il y a deux avocats. Donc on a un petit espace tout restreint, 5 à 6 personnes, un petit espace à vous imaginez, c'est-à-dire un homme qui est infecté et qui t'a toussé, qui m'a porté, qui m'a signé les documents, etc. Donc le risque de contamination est assez fort. Dans ce sens-là, on demandait que, au lieu que juge d'instruction, autant de milieu dans le cabinet restreint et exigu, il est mieux que utiliser les salles d'audience parce que moi, je crois que doyen est en mesure là, de manière pour que l'audience civile, pas qu'à faire qu'il y a, pas qu'à l'audience civile qu'il y a, en raison de pandémie, en raison de situation ça, qui gagne aujourd'hui. Autre chose, c'est pour limiter rentrée-sortie qu'a fait pendant le tribunal. Et plutôt pour le tribunal lui-même, il fait tout, non seulement pour justiciable, mais il fait pour détenir, pour prévenir, il fait pour l'ensemble du monde que cette liberté restreinte. Imaginons à la prison de Port-au-Prince et nous sommes encore fiers et nous félicitons les autorités de ce que nous tendons à la main. Nous tendons à la main et on commence à prendre des mesures pour permettre au moins un décongestionnement qu'a fait de la prison et ça fait au niveau de beaucoup d'autres pays, il fait à Paris, il fait en France. Actuellement,
et Royaume-Uni et a fait là, je dis à là. Donc nous pensons que nous même tout, faut que nous adopter les mesures, garder ça fait de notre côté, et puis lier avec la situation réelle nous autres en Haïti, de manière pour que nous capables et freiner la propagation de virus corona. Depuis la menace coronavirus là, qui commence à planer sur tout le pays, nous déclarons état d'urgence sur tout le territoire national. Là. Toutes frontières et toutes les portes et puis pour eux, te fermer et jusqu'à moment n'a pas là yo fermer pour moun, mais j'en nous te dit yo toujours été ouvert pour marchandises et médicaments rentrer dans le pays. Toute l'école classique, l'école professionnelle avec université fermée, décision ça pas facile pour nous te prendre là nous connaît tout tant si moun yo te perdu dans affaire pays lok là. Mais nous obligés à agir pour nous protéger la santé avec la vie de moun yo ak jen nou yo. Nous mettons couvre-feu sur tout territoire sorti 8h à soir pour arriver 5h du matin. Nous même faire rotation avec fonctionnaires publics. Je ne voulais pas parler des gens qui travaillent dans le secteur public là. Nous utilisons méthode de travail à distance qui est le télétravail et ça commence à bailler résultat. Nous t'ai même demandé pour entreprise privée de prendre même disposition. Décision qui te prend pour n'importe rassemblement à réunion. Je dis n'a pas rappelé encore. Rassemblement à réunion pas doit dépasser plus passer 10 monde. N'a pas demandé pompe funèbre bio pour faire un petit effort en plus pour respecter mes usages. La planification en témoin. N'a pas dit encore maquette yo pharmacie yo. Yo tout nous connaît yo une obligation pour ouvrir. Même m'a demandé yo pour faire bon gens effort pour respecter distance sociale là. Nous voulons parler de 1m50 là ou bien 3 pas distance. Là. Je demande au l'État, tant que la douane, ONI, DGI, Immigration et Latrier, pour respecter 3 pas distance dans tout, en deux mounions. Nous demandons au gouvernement tout, pour le Téchita, ministère économique et finance, pour le démêler le coût de Jean-Jacques, pour le joindre un moyen, pour le permettre aux professeurs de l'école privée, professeurs université privée, pour le joindre une compensation salaire. Et puis, bon gens encadrement pour personnel médical là-dedans. L'homme dit bon gens encadrement, ça veut dire tout le monde qui pral impliqué dans affaire coronavirus, hein, pandémie ça, personnel médical là, FOC, ministère économie et finance, dans tête collée avec ministère santé publique, commencez ouais comment que y a venu pour bay moun sa yo bon gens encadrement dans affaire paiement et encadrement social. Nous demandons responsable au NIO. Je connais que vous continuez dans les affaires faire 4 identifications nationales. Et je profite pour me dire que il y a une décision que je connais, ministre justice la prend déjà, je ne sais pas si le public déjà, pour mettre des délais qui t'a privé 31 à cela. Nous songeons que le ministère de justice te prend dans la date 31 décembre 2019 là une décision pour que à partir de 31 mars 2020 ancienne carte là pas de valide. Moi connais que y a une décision qui prend pour qu'on note sorti tout de suite bon l'autre décision qui prend pour remettre des laissages jusqu'à nouvel ordre. Je demande au ministre si ça n'a pas été fait pour le cas accélérer pour le fait parce que tout le monde sait
cap courir vinn dans affaire fait 4 identification nationale, c'est parce que on connaît à partir du 1er avril ancienne carte la pas t'a servi. Moi même mandé ministère justice pour le dégager le pressé prendre décision ça pour mettre de ça jusqu'à nouveau zone. Nous demandons au gouvernement, à tout ministère intérieur, ministère affaires sociales, en collaboration avec direction protection civile, FAES, BMPAD, pour rapidement commencer à faire distribution ration alimentaire sèche là, pour soulager la misère peuple là, pendant la fait face à une grosse calamité ça. D'après l'information que j'ai eu, je crois que la distribution a commencé dans plusieurs quartiers déjà. Mais, je profite de l'occasion pour demander à tout le monde qui est impliqué dans la distribution de manger. Je demande à tous pour qu'ils connaissent que manger ça, ce n'est pas pour un monde personnel. Manger ça, c'est pour le peuple. Ça veut dire. Là on moun fait route crochet à manger peuple là. Ça m'a demandé pour pas jamais oublier. Pour toujours songer. Là on fait route crochet à manger ça. Il y a ti moun, il y a maman, il y a papa qui va dormir avec ventre codé sous conscience. Et c'est pour ça moi demandé ministère justice, ministre justice là, personnellement pour que gagne gros disposition qui prend à travers 18 juridictions dans le pays. Le commissaire gouvernement veille en haut, il veille en bas pour que manger qui fait pour aller joindre le peuple. Parce que je ne dis là, tirer ça, c'est pour les pour manger ça, pour aller joindre directement. Et au monde qui a l'idée ça, pendant le peuple a passé un mauvais moment, c'est là ça pour profiter, pour manger qui vient pour lui, pour t'affronter mes couches avec lui. La justice avec la police a besoin d'avoir. Banque centrale beaucoup de parle dans tête collée avec l'institution financière déjà prend gros disposition qui concerne prêt commercial, logement et consommation. Tout j'ai fait ça, c'est pour permettre nous faire face à un moment difficile. Ça m'a pas annoncé nous tout. Un comité multisectoriel. Là nous parler de multisectoriel pour nous comprendre. Ça veut dire un comité qui vient l'État privé et monde dans la communauté internationale là qui la donne. Comité ça a déjà mis sous pied pour nous faire une meilleure coordination pandémie COVID-19 là. Ça veut dire ça fait coronavirus là. Il n'est pas affaire président seulement. Il n'est pas affaire l'État seulement. Il n'est pas affaire tout. On groupe monde dans le secteur privé seulement. Ça fait coronavirus là, c'est affaire nous toutes. C'est pour sa décision ça prend. Pour gagner un comité multisectoriel qui formé, qui déjà mettait sous pied et qui déjà au travail pour nous capables faire face à la pandémie ça. Commencer à frapper le pays d'Haïti et pour personne, moi je dis pour personne, pas senti que le dehors, côté dans privé, côté dans public, depuis où sont les gens qui travaillent, écoute, mais place où, lila, vini, ou vini aider, et c'est pour ça que la commission s'est mise sous pied, premier ministre, ministre de santé publique là, là, bien, pour avoir plus d'informations. Parce que je connais que le comité est à pied d'œuvre depuis le commencement de la semaine. Voilà. Et merci avec tout le monde qui est branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oup!